bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 2, chapitre 2, Infiltration. Nous sommes toujours bien évidemment sur Uncharted The Lost Legacy et on continue tout simplement notre folle aventure. On avait retrouvé notre amie Nadine. Ah, il y a quelque chose par ici. Bah oui, parce que c'est par ici tout simplement. J'avais pas vu l'échelle. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait le jeu et qui sont restés bloqués à cette échelle? C'est possible. Les gars, l'échelle était quand même discrète. Heureusement, il y avait le petit cercle blanc, mais quand même. Allez, fais-moi descendre un petit peu cette échelle. On s'écarte, sait-on jamais que je me retrouve pas le pied dans le crâne. Ah, bon, ça va, j'étais large. En vrai, j'étais large. C'est les pires échelles eues. Ok. Là, va falloir glisser, il va falloir tomber jusqu'ici. Suis-moi. Je crois que j'ai fait un truc totalement illégal. Je crois que tout ça n'était pas prévu. Et mais ça ne pose pas de problème, ça ne pose pas de problème. Bon les gars, je suis speedrunner. Patience. Ok. Nadine, va falloir baisser d'un petit ton, hein, d'accord avec moi, parce que sinon ça va chier. Hein. Donc c'est par ici. Là-haut. Tu rigoles? Non. Ah non, faut aller là-haut, d'accord, ok. J'allais descendre. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis aussi la possibilité de descendre, sûrement pour ceux qui ont foiré le saut. Et qui pourrait se rattraper, c'est par ici. Je vais y aller doucement. Ok. T'es sûr que ça va tenir? Non. Alors, il y a un truc que j'ai bien dans le Uncharted aussi, ça c'est assez magnifique. C'est que voilà, une brique sur deux menace de tomber. Une enseigne sur deux menace de s'écouler. C'est assez... ils connaissent pas les vis en fait, hein, bien évidemment, dans cet univers. C'est assez drôle, c'est ce qui fait que l'aventure est aussi un petit peu épique. Hein. C'est comme Nathan Drake, il avait au final jamais de chance. Ok, c'est pas par ici de toute évidence. Si on va par là, c'est un aller simple pour l'enfer. Là, ah oui, putain, les planches de bois blanches. Allez. Quelqu'un me l'a dit en commentaire, comme quoi je lis bien tous vos commentaires. C'était dans Tomb Raider. Du repère d'Assav, non? Ouais, on fait un détour. Okay. Je comprends pourquoi t'es toujours en retard. Par ici, je suppose. Et par ici. Ok, jusqu'ici, aucun problème. Voilà, donc ça, le coup des enseignes, le classico. Non mais ça va les gars Ok. Il y a de l'herbe sur le toit. C'est incroyable. Utilisez l'herbe haute pour vous cacher des ennemis. Plus qu'une heure. Je vais l'éliminer. Non, je vais l'éliminer. Cobra 1, Cobra 5, à vous. Bien reçu, Cobra 1. Allez, on est bloqué. La bouche par là-bas. Terminé. Reçu, Cobra 1. Merde. Ok. On va arracher tout ça. Ok, aucun souci. Oh, on va où maintenant? En haut? Ok, on va en haut. Donc on va récupérer ceci. Oh putain, il y avait un petit trésor. Okay. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Et boum! Un briquet! Quel trésor incroyable! Alors, pour monter, c'est simple. Oh, c'est le bordel. C'est par ici, ensuite c'est par ici, aucun problème. On continue. Donc là, Assav, je sais pas si. Je pense qu'on va pas réussir à le tuer, hein. Je pense que c'est le grand méchant de notre aventure. Mais on doit en tout cas s'en approcher. Et peut-être que même. Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est par là qu'il faut aller. Et on pourra aller nulle part sans chalumeau. Alors. D'accord. Maintenant on improvise. On va passer par ici. J'étudie juste nos options. J'en ai strictement aucune idée d'où je vais. J'en ai strictement aucune idée pour le moment, mais comme elle dit, on étudie les options. Là, si je descends, c'est un aller simple pour l'enfer. Ok. On va essayer de trouver calmement, les gars. Peut-être en passant de l'autre côté, je ne sais pas. Pink Lotus, il est pas loin. Ah, yes, c'est en passant de l'autre côté. Oh, encore un coup de génie, les gars. Ne remerciez pas, c'est normal. Ok, je regardais s'il y avait quelqu'un. Est-ce qu'il faut vraiment descendre? Non, je pense pas. Mais pourtant, c'est pas là, salaud. En tout cas, elle mérite bien sa réputation. J'ai fait le tour du bâtiment dans lequel j'étais. Non? Ah, ok. Ça roule. Je préfère. On va pousser ça. Ah non, pas du tout. Allez, on va ramener ça. Ok, donc je peux pas le faire tomber. Je peux le faire tomber que par là.
Il va me permettre de monter sur le bâtiment. Attention en dessous. Ah! Mais quelle idée! Avec leur construction en carton, putain. Ok. Eh ben on y va. Hop. Désolé. Et si on évitait les caisses à partir de maintenant? Ok, c'est bien. Ok, donc finalement la caisse ne servira à rien, mis à part avoir fait le trou dans le toit. Justement. C'était quoi? Merde. Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Ok, c'est bon. J'ai eu un petit moment de doute. Alors c'est par où? C'est par ici normalement. Ok. Putain, le nombre de détails est hallucinant, hein, réellement. Fourniture de bureau gratuite si tu veux. T'es toujours aussi bavarde quand tu bosses. On peut dire ce qu'on veut. Moi je trouve ça assez dingue. Ça gère que chaque, forcément chaque objet. Bon après ils en ont sûrement récupéré des anciens Uncharted, des conneries comme ça, hein, ils font souvent ça. Ils récupèrent leur base de ressources dans divers jeux qu'ils avaient fait au préalable. Mais quand même, il y a un nombre de détails juste hallucinant. Et attendez, parce qu'il y avait un gars pas loin en fait, c'est ça qui m'intrigue. Il est où ce petit salaud? Il était plus haut. Il était plus haut. Et on va y aller de ce pas. Mais voilà, quand il réfléchit, c'est quand même assez dingue. Ok. Je sais pas combien ils sont à travailler sur leur jeu Naughty Dog. Allez, une petite patate derrière la nuque. Un aller simple pour l'enfer. On continue, nous voici devant le Pink Lotus. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est juste au-dessus de nous. Tu vois, c'était pas si compliqué. Ok. C'est vrai. Ok, donc on va monter les gars. Il y a du monde juste en dessous, va falloir faire attention. Allez. Ça prendra qu'un moment. Bon. Elle s'est téléportée là, je l'ai vu. On l'a vu, on t'a vu Nadine. Tu peux pas nous la faire à nous. Ok. En voilà un. C'est sympa là leur petit système. Ah d'accord. Ça marche aussi. Trouvons le disque. Ça avait le don d'être drôle quand même. Ah bah j'ai passé un excellent moment là. C'était une aventure assez épique. Merci infiniment, tu surveilles nos arrières? Ouais. La vache, on se croirait chez un antiquaire. Il a pas perdu son temps. Il y en a pour combien d'après toi? C'est pour que sa petite insurrection tienne un moment. D'accord. Je suppose qu'il va falloir essayer de trouver sûrement des indices sur quelques trésors. Est-ce qu'il y en a d'autres par ici? Nadine, faut partir. Nadine, t'es chiante. Bon, il n'y en a pas. Oh, c'est affreux. Il y a un paquet de chats bizarres ici. À ce propos, bien vu. Ça te choque pas? Tout ça, c'est des artefacts indiens. C'est pas mon combat. Ok. D'accord, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant, peut-être là-haut. Sûrement là-haut d'ailleurs. Je sais pas du tout ce qu'on cherche, hein, je vous avoue. Ça me rappelle. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle l'épisode quand on était avec le ça frère de Nathan Drake dans il une maison. Plus près que je croyais. Et qui était habité par une personne âgée. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que si je fais un zoom, on peut trouver quelque chose d'intéressant? Non. D'accord, jusqu'ici on a quelques trésors. Mais rien de fou. Là on a rien. Ok, par où ça peut être? Ok, là on a quelque chose. Je vais emprunter ça. Ok. Fraser, viens voir. Tu crois qu'il est là? C'est fermé. Pas pour longtemps. Oh là 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 là, on va ressortir l'épingle. Allez, c'est parti, les gars, crochetage! Les Ghats occidentaux, le territoire des Aïssala. Oh merde! Non, tout va bien. Rien qu'on sache déjà. Fais gaffe!
c'est magnifique. À l'intérieur. Vite, on s'en va. Nadine Ross. Quelle bonne surprise. Attention, camarade. Ce tigre a des griffes. Ah, ça va. Après toutes ces années, tu n'as pas pris une ride. Pas une. Trop aimable. Tu cherches du travail ? Il paraît que tu as perdu la direction de Shoreline. Un léger contretemps ? Rien d'insurmontable. Bien sûr, bien sûr. C'est dommage. Mon équipe aurait besoin d'une personne de ta trempe. Qu'est-ce qui t'amène ? Et ça, c'est pas ton domaine d'habitude. Je dois dire que vous avez une très belle collection. Chloé Fraser, collectionneuse d'antiquités. Une voleuse. Tu travailles pour une voleuse. Monsieur, il y a un problème. Monsieur, le Pink Lotus. Quoi ? Quelqu'un a décimé notre équipe. À vous. J'arrive tout de suite. Le disque. Ah oui, puisque on en parle. Au début, j'ai cru que vous étiez un rebelle ordinaire. Oh. Mais vous avez réussi à mettre la main sur l'Empire Oysala. C'est pas mal. Mais leur plus grand trésor, la défense de Ganesh, ça sera pas aussi facile. Qu'est-ce que tu fais ? 3 invasions perses, 3 guerres différentes, et après toutes ces années, personne ne l'a trouvé. On approche. Vous êtes perdu. Et désormais, votre seule chance de commencer à réduire la zone de recherche, c'est de trouver quelqu'un qui peut vous aider à... décoder cet artefact. Quelqu'un qui connaîtrait à fond la civilisation Oysala. Exactement. Hmm. Un expert de leur culture et de leur histoire. Mes prix sont raisonnables. Un parasite qui exploite nos efforts dans le but de se remplir les poches. Ça veut dire non ? Je crois que ça veut dire non. Vous avez du cran, ça me plaît. Mais j'ai déjà assez de soi-disant experts. Tuez-les, jetez les camps dans la rivière. Inutile. On trouvera la sortie ! Arrêtez-les ! Ok, on est reparti, les gars ! Allez, il faut qu'on traverse la rivière ! Forcément, tout va partir en couille très très vite. Bon, y a qu'une chose à dire. Alors déjà, la cinématique était quand même assez magnifique, hein, on va pas se mytho. Mais en plus de ça, les voix choisies... Bah c'est du Naughty Dog, quoi. Ils mettent les moyens dans les doubleurs, et c'est vrai que les doubleurs sont assez dingues. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais la voix d'Assav, impeccable. J'ai bien kiffé, j'ai passé un agréable moment. Là, les gars, je suis en train de me faire fouetter. Là, je pense que je mérite. Alors ça, en difficulté hyper hard, je me demande ce que ça peut donner. Après, c'est scripté en soi, hein. T'es pas censé mourir, hormis si tu perds du temps. Ok, c'est pas ici. Qu'est-ce qui t'a pris là-bas ? Brutal, mais efficace. T'as voulu me doubler, c'est ça ? Ça s'appelle de l'improvisation. Et c'est moi qui suis pas professionnelle ? Qu'est-ce que tu sous-entends ? Que t'as laissé Assav nous prendre par surprise. Je me demande si tu vaux vraiment tes 50%. Je le savais. T'étais prête à me laisser tomber. Voleuse un jour, voleuse toujours. Tu ne sais rien. À propos de moi, je te préviens. Le dernier qui m'a trahi a pris une balle. Voilà la rivière. Ouais, j'espère que ton ami est là. Merde ! Faut pas traîner ici ! Ok ! Direction la rivière donc pour partir. Je pense pas qu'elle ait voulu la doubler. Oh la vache, ce que je prends, mec ! C'est dangereux ! Par contre, avec la pluie, l'orage, toujours aussi sublime. Tiens, merci. Allez. Ok. On va essayer de faire ça proprement. Ouais. Ah d'accord. Pour l'amour du ciel. Allez, au revoir.
Mec, j'ai été pris par surprise, c'est quoi ces conneries? Ok, lui c'est bon, lui a fait un coup de tortue ninja, les gars. Waouh! Mec, les gars, ils sont cachés, les frères! Quoi? Elle est passée où? Quoi? Plus! Mec, je sais pas. Putain, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu partir. Je suppose que c'est par là. Mec, c'est par là. C'est terrible. Je ne comprends pas! Ma vie est nulle! Je l'ai pas vu. Je l'ai pas du tout vu partir. Qu'est-ce que c'est que c'est que. Mec, ah ok, j'ai compris. C'est bon. Ouais, non, je vais pas faire la gaffe. Oh la vache. Elle est partie où? Faut partir où? Faut partir où, ma soeur? Ok, je suppose là-haut. Non, je pourrais jamais sauter jusque. Quoi? Je pourrais jamais sauter jusque-là. Attendez. Là, ok, c'est bon, c'est par ici. Je suis désolé les gars, mais je me suis... C'est une blague. J'étais perdu dans l'élan. J'étais coupé, pardon, dans l'élan. Et donc, je me suis totalement perdu. Et là, c'est bon, on a retrouvé les bons bails. Mais c'était un petit peu le bordel, en fait. C'est Nadine, le fait qu'elle disparaisse, ça m'a totalement perdu. Ok, c'est par ici. Direction la rivière. Oh, putain, merde. Nadine, j'ai failli te mettre une patate. Ok, alors c'est qui notre ami? Quoi? Oh putain, c'est bon, ça passe. J'ai eu chaud. Le temps mieux. Ok. Moi, il pleut pas, inverse. Ok. Ok, c'est par ici. Suis-moi. La rivière est en dessous. Oh la vache. Les gars, on va pas se mytho, je pense que je mérite. C'est parti. Comment ça se passe? Tout roule. On devrait arriver dans une heure. Parfait. La défense de Ganesh. Pas étonnant qu'ils aient pillé la capitale Yoysala. Regarde-moi ça. On a une chance? J'ai pas besoin de chance. On va avoir besoin de toute la chance possible. Tu t'inquiètes encore du soi-disant expert d'Assav? T'en fais pas. Si Assav est pas déjà au Ghat, il doit déjà être sur nos talons. Il a des armes. Du matériel et des centaines d'hommes. Je te le redis. C'est pas un problème. Tire un genre de clé. Possible. Voyons ça. Alors. Le trident était l'arme de Ganesh. L'arc et la flèche. Était à Parajurama. Et la hache, un cadeau de Shiva. La grande bataille. Quoi? La grande bataille où Ganesh a perdu sa défense. Je te parie que si on trouve ces symboles, on trouve la défense. Pas mal, Fraser. En fait, faut remercier mon père. Les mythes hindous, c'était sa passion. Il te l'a transmise? Il doit être fier. Il fait presque jour. Je vais me préparer. Bon travail. Ça
fait une sacrée marche pour une simple vérif. Disons que c'est juste pour me rassurer. Bon. La vue est sympa. Et regarde. Comme c'est bizarre. Pardon d'avoir douté de toi, Chloé. C'est Ossala ? Oï, Sala. Ça date pas d'hier, alors je dirais qu'on est sur la bonne piste. Quoi ? J'aime pas ça. C'est parce que t'aimes rien. Non ! On a fait presque 100 km et aucun signe d'Assav. Vois le bon côté. On a peut-être fini par le semer. Ça m'étonnerait. Je trouve la défense. Tu t'occupes d'Assav. Compris. On se retrouve à la voiture ? Ouais. Eh bien, je pense qu'on va tout simplement s'arrêter là. On se retrouve lors du prochain épisode. Un épisode égal à un chapitre, ça me paraît pas mal. Le prochain épisode, Homecoming, il me semble, si j'ai bien vu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Bisous tout le monde et surtout, comme d'habitude, portez-vous bien. À bientôt tout le monde.